Ça fait guys, qui t'aime dire bienvenue sur la chaîne YouTube Parola qui c'est Tchaka News TV. Eh bien, aujourd'hui, moi porté pour nos rubriques qui nous remet en pile là qui c'est actualité. Dans actualité aujourd'hui, nous venons parler de Marc Collat. Gagné Goal.com qui élu Marc Collat comme coach de l'année pour zone CONCACAF là. Eh bien, plus de détails sur prix ça concernant Marc Collat, c'est après pause là. Pas oublier abonner si vous pouvez pas abonner, l'offre d'abonner, cliquez sur cette cloche là pour que vous ayez toutes notifications yo à chaque fois mon laguer une nouvelle vidéo. De retour après la pause, j'en m'étais annoncé là, année a bien commencé pour Marc Collat. Même si le contrat il gagne avec l'équipe haïtienne jusqu'à présent pas renouvelé, ok, est-ce qu'il y a renouvelé? Nous pouvons connaître, c'est très difficile tout, mais année a bien commencé pour Marc Collat. Ça fait ça, et bien gagner Goal qui c'est un site d'actualité de football d'association internationale qui est fondé en 2004. Eh bien, il a choisi Marc Collat comme coach de l'année pour zone CONCACAF là. C'est un bon bagage pour Marc Collat. Nous avons un peu mon gens saisi de prière, mais pas oublier l'équipe haïtienne a fait un bel parcours dans le Gold Cup là. Côté que Messi est arrivé dans demi-finale et c'est Mexique qui était retiré, qui était écarté de finale là. Pas oublier qu'ils ont encore une prolongation avec une pénalité qui était un peu contestée. Donc pour récompenser une belle performance à l'équipe haïtienne a fait, eh bien ils ont choisi Marc Collat comme coach de l'année pour zone CONCACAF là. Est-ce qu'elle est méritée? Est-ce qu'elle n'est pas méritée? Eh bien, quittez ça en bas commentaire. Moi-même, je pense qu'elle est méritée parce que vous avez fait un bel parcours et vous avez senti tactique entraîneur, même si à la dernière minute, vous avez senti des chefs fatigues. Bon, nous comprenons. Et puis, c'est Mexique qui est arrivé écarté nous de finale là avec une pénalité très contestée. Mais l'équipe haïtienne a fait un bel parcours et nous connaissons. Depuis ça bon, c'est entraîneur. Depuis ça pas bon tout, c'est entraîneur. C'est pas un job qui est facile du tout. Donc, bravo pour Marc Collat. Et même si il y a l'autre joueur qui est récompensé, qui est Goal TV récompensé. Il y a Christian Pulisic qui est un Américain qui est élu meilleur jeune joueur. Il y a Eloi Wu qui est dans le pays qui est élu comme meilleur gardien. Mais on l'a pris encore, c'est Haïti qui prend. C'est match de l'année. Match de l'année, c'est Haïti-Canada. Nous sommes match ça, côté que Canada a mené 2-0 sur Haïti. Et puis, Haïtien, les amis très combatifs, t'es retourné, yo égalisé jusqu'à ce que yo baille un troisième goal côté bat Canada. Eh bien, Goal.com choisit match ça comme match de l'année pour zone CONCACAF là. C'est ça, moi pense que nous grandement mérité parce que c'était un bel match et un pile haïtien t'es content. Voilà, c'est ça que je t'ai porté pour nous dans la rubrique actualité aujourd'hui. Quittez un commentaire pour dire est-ce que vous êtes d'accord avec Priya, est-ce que vous pensez que Marc Collat mérite coach de l'année. Pas oublier abonner à la chaîne là, l'offre d'abonner, cliquez sur la petite cloche là pour que vous ayez toutes les notifications à chaque fois que je lâche une nouvelle vidéo. Allez, à la prochaine.